Salut à tous, c'est Wixxess, Wixxess et Wisp, deuxième game du BO3 entre Chuck, le joueur Protoss Rose au sud-ouest, et Xjeu, le joueur Zergo nord-est sur Cloud Kingdom. Comment ça va, mon petit Blake? Ça va très bien, donc on a vu une première game rapide, hein, assez rapide, par le assez agressive. C'est un gate qui est passé très très bien. C'est ça. Donc, pour les joueurs qui se taunt un peu. C'est ça, bon, ça c'est du classique de notre petit groupe. Ah, hein, bah, c'est du taunt. C'est la base de la base. Le même BO chez Chuck. Chuck est vraiment. J'ai l'impression qu'il aime vraiment pas jouer en wall puis Nexus Search. Ouais, bon, c'est bizarre, pourtant c'est vachement super bien. Super fort en Protoss, je trouve. Ouais, bah oui. Après le Zerg. Bon, après, c'est pareil, le Zerg il peut prendre B2, B3 quoi pour contrer, mais bon. Ça force un peu la malle ouais. Quoi de faire ça. Donc à voir. Peut-être qu'il. Étant donné que c'est un joueur qui aime bien jouer offensif et qui aime bien rusher. Peut-être ouais, qu'il s'en fout, des... la... fout de forcer la macro quoi, il fonce dans le tas et voilà. C'est ça. Pas mal. Donc le scout habituel pour voir la poule. Là toujours pas de poule. Va-t-il la poser? Normalement là, il devrait sortir un drone pour maintenant. La poser. Voilà. C'est bon. C'est posé. Pareil Etienne qui aime pas trop jouer en hatch first hein. En vrai, mais contre Protoss, c'est assez risqué hein. Quand on connaît les. Faut ton canon rush. Enfin bon, ouais. Là il aurait pu peut-être. Ah, que de souvenirs. Que de souvenirs. Hein. C'est vrai, c'est vrai que quand on joue en Master, c'était souvent ça. Hein. C'était. B2 B3 pour le Zerg. Le Protoss, il a envie de mettre un petit taquet et il balançait des photos. Un setgate, c'est parti. Ouais, ou un setgate. Hein. No. Ouais, c'est pas mal. Ou alors, un double temps spatial Phoenix et hop. Ouais. On tue les queens. Le Protoss qui deny la B2 du Zerg pour l'instant, même si le Zerg n'avait pas l'intention de poser tout de suite, je pense. Ah, First Blood, allez! Et le First Blood qui tombe, et la probe qui va poser, la drone pardon, qui va poser la B2. Oh, attention! Le drone! Oh là et là! Et voilà, un deuxième frag, un partout. Le compte est rééquilibré. très bien. Le deuxième gaz qui est pris pour le joueur Protoss, donc ça va peut-être taker un peu plus, je sais pas. Que tout ouais, à l'heure. C'est assez étonnant ça. C'est assez tôt pour un deuxième gaz. Et le joueur Zerg qui lui est toujours sur un gaz. Cette fois-ci va-t-il nous faire une tech un peu plus rapide? Je pense que ce qui lui a manqué aussi c'était à notre émission Xjeu, c'était peut-être un T2 pas assez tôt. Ouais, ouais, si, ouais. Parce que des infestors ou des trucs comme ça, des trucs qui sont forts contre les sentries et les zélotes. Ouais. Ou plus de roach aussi, quoi. Il y avait pas assez de roach vraiment pas assez. Quoi. Plus de roach avec le speed, ça aurait été avec pas le mal. Speed, ça aurait fait la diff. Donc à voir, on va voir ce que ça donne. La B2 qui va popper, le Protoss qui a pas l'air de vouloir partir tout de suite sur B2. C'est un conseil particulier. Au niveau de l'incom, on est quand même. Là, cette fois-ci, c'est notre joueur Zerg qui a l'avantage. 6 drones d'avance pour le joueur Zerg. Il va commencer à poser un petit wall. Moi j'ai le contraire moi clairement. Pardon. Ah oui non pardon. J'ai le contraire. J'ai fait une erreur en effet. Non mais c'est toujours le Protoss qui a une avance au niveau des drones, mais cette avance devrait être compensée assez rapidement si notre joueur Zerg se met à utiliser sa B2. Le premier petit drone. La petite qui part scouter hein, qui, ah non, elle est vue. Elle est vue mais on est aïe, juste aïe, pour scout. C'est juste pour scout ça je pense. Parce qu'il n'y a pas encore les. Ouais. Il n'y a pas de gates qui sont posés, il a mis des pylônes en face de sa B2, donc à mon avis c'est juste pour scouter. Ou alors pour le mettre de côté, tu sais, en attendant pour l'instant. Ouais. Poser le pylône après. Voilà. Mais non, voilà, il a juste pris du minerai, puis il rentre chez lui. Il a vu qu'il n'y avait pas B3. Bon bah voilà, il s'en va. Salut, ah, c'est moi. Demi-tour, et il y retourne. Bon bah. Ça joue le brain, c'est tout simplement, c'est. Voilà, c'est beau. Ah y'a du drone, ça drone. Voilà, ça y est, ça drone. Comme je disais, avec sa B2, c'est reparti. Ça manque juste un petit peu d'injection. Voilà. Un peu. Ça devrait partir là, l'injection. Hop, il peut y avoir de la probe. Ah non, la tumeur. La tumeur, très bien. Sur la B1, là, faut injecter là. Ça va pas. Il faut y aller. Aïe. Et le wall qui est posé devant la B2, le Protoss qui va prendre B2 à son tour. Les gaz qui sont pris, donc là, ça y est. Deuxième gaz qui est pris sur la B2 pour le Zerg, ouais, qui va enfin se mettre à taker. Et là il faut taker, porte il a spatial. Assez. Porte spatiale pour Chuck. Porte spatiale pour Chuck, ok, c'est parti pour de l'air donc cette fois-ci. Changement comme ça, c'est ça me fait penser à White Rat sur HOTS qui aime beaucoup faire de l'aérien.
Et du coup ils ont pris l'affiche du film Skyfall, tu sais, avec James Bond. Ah oui. Et ils ont mis la tête de Hoytra à la place de James Bond. Ils ont marqué Skytos, tu vois, à la place. Ce bon vieux Hoytra. Je sais pas qui joue encore celui-là. Special Tactics. Oh si si, c'est le papy lui, depuis SC1. C'est le padré lui. C'est ça. Le Roach Warren qui est posé, mais contre Devoid Ray éventuellement, c'est peut-être pas ce qu'il faut vraiment, mais... Void Ray ou Phoenix? Je pense que, connaissant Chuck, ça va être du Phoenix. Et c'est du Phoenix, tout à fait. Un petit peu des deux. Je sais pas trop, à mon avis, s'il fait comme je fais moi, c'est souvent un ou deux Phoenix juste pour lever les couilles et casser les couilles. Et les Void Ray qui sont derrière. En tout cas, c'est ce que je fais. On va voir. Là, les gaz sont bien pris, hein. Ça pompe du gaz sur les ergs en même temps. Ouais, un homme disait le gaz c'est le frein du zerg. Tout à fait. Le gaz c'est le nerf de la guerre. Donc on va voir la B3 qui est posée du côté du joueur. Ah, attention, l'over qui va peut-être. Oh, attention. Je pense que ça va être scouté le Star. Oh, le Phoenix, c'est lui, ça y est. Il voit le Phoenix, il voit un Phoenix. Et voilà, ah, il a vu la porte spatiale. Et on va voir la réaction. En réaction, on devrait voir directement. Oula, bah c'est des sporulers. Ah, voilà, tout les sporulers doivent être posés. Voilà, un sporuler, une queen qui est lancée. Parfait. Le joueur d'air qui s'adapte tout à fait. Il a l'info, on peut s'en servir. Les Phoenix arrivent, attention. Spoiler sera sorti juste à temps. Peut-être. Oulalala. Il y a un overlord qui va péter. Il devrait pas se précipiter sur l'overlord. Il devrait peut-être commencer à choper des drones avant que les spoilers sortent. Ah, ça va être là, c'est trop tard, un spoiler. Voilà, là il y a un spoiler et ça va être chaud. Voilà. Oulala, il a failli perdre déjà un. Ouais. Bah, les Phoenix c'est assez fragile, hein. Au final, mais la B3 m'a l'air pris. La B3 m'a l'air pris. Trois drones. Pour l'instant, ces Phoenix sont pas vraiment rentabilisés, donc il va falloir qu'il arrange ça. Pas encore. Et là, l'offensive des Roach qui est lancée. Mais le problème, c'est que quand tu regardes devant la base de Chuck, s'il maîtrise bien les Force de. Ouais. Ouais, pas tout, ça passe pas. Et il sort. Oh, pas mal de Roach quand même, une petite colonne, mais là ça suffira pas, hein, je pense. Non, ça suffira pas là. S'il fait plus de stalker. Ah non, il a pas recherché hallucination, mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a pas hallucination. Attention, il est malade. Notre ami Chuck qui joue sans alu. C'est bizarre. Notre ami Chuck est surtout beau minerai en stock, je sais pas ce qu'il fait, mais. Il a 1500 de minerai, bah peut-être qu'il compte faire un don pour une association humanitaire, je sais pas. Mais ouais, il éco pas mal, c'est bizarre. Le problème c'est surtout qu'il y a un gaz qui est pas pris en fait. Quoique non, ah il y a ouais, sur la B2. Gaz, il y a quand même 500 de gaz donc. Je ne sais pas. Faut poser des gates, faut poser expand, faut faire quelque chose, mais faut les dépenser ces minerais. Voilà, il pose des gates, c'est très bien. Ouais, il y a 5 plus. Les roaches qui rentrent à la maison, la B3 qui commence à être exploitée, on pose plus de sporulers pour éviter les haras, c'est pas mal. Faudrait faire plus de drones quand même du côté des gérants. Ah ouais, du coup, maintenant qu'il est safe sur ses bases, il faut droner là, faut droner à mort. Un incom quand même. On est à mort maintenant. Supérieur ouais. pour le zerg. Ouais, un peu. Attention, B3, agression des phoenix. Un overlord devrait tomber. Hop. Au prix d'un phoenix, non, même pas. Il ne tombe pas. Donc c'est bien, c'est du haras gratuit. Par contre, là, il devrait faire le tour de la base. Il y a des overlords comme ça qui se baladent un petit peu. Ouais, partout, en haut. Faudrait les choper. L'armée qui se déplace vers le sud, sûrement pour clé d'un éventuel Zergling qui empêcherait de poser la B3, je pense. Vu son nom compte de minerai, je pense qu'il sait qu'il doit poser B3. Voilà, il pose B3. Ouais. Attention aux Zerglings qui arrivent quand même, hein. Les Zerglings peuvent. Ouais. Oh, avec le nombre de sentry qu'il y a, normalement c'est géré ça, mais. C'est toujours pas ouais, mal il y a de. Stalker derrière, c'est toujours pas mal de faire dépenser les. Ouais. Ah, le Suron, magnifique Suron. Oh, allez, Suron Skid de là. Oh là là, il va perdre une sentry qui tombe. Deux sentry. Oh là là, très bonne opération. Le stalker. Attention. Oh là là, il y a plus de sentry. Mais il y a plus de sentry, c'est une très très bonne opération pour le zerg. Ah, c'est bien, c'est très bien. Là, franchement, il y a plus qu'une sentry. Bon, la sentry a 200 d'énergie, donc il y a toujours deux. Ah non, 4 sentry dans stock, excusez-moi. Donc ouais. Mais là c'est une bonne opération quand même. Ah ouais, non, très très bonne opération. Par contre, la colonne de stalker qui vient de sortir est c'est assez effrayante. Donc il va falloir pas le coup de bâton, il y a toujours le revers du bâton, hein. Le retour du bâton. Et du bâton là, ouais. Non, faut regarder, il y a les phoenix là, on a des stalkers ici, là c'est une armée quand même assez effrayante, hein. Les roaches ils vont se faire bouffer, hein, s'ils vont là. Non, bon, surtout, oh là là, les phoenix. Ça fait pas assez mal les phoenix, il va choper 5-6 roaches tout au plus, ouais, je pense. Ah, mais il y a beaucoup de stalkers quand même.
Ouais. Là, il faut absolument commencer à popper des infestors, un truc. Par contre, surtout pas la Spire comme il est en train de faire. Je comprends pas pourquoi la Spire. Peut-être il va aller sur Boulder, je pense. Regarde, il est en train ouais, de switch. T3, ouais. Et par contre, les routes, ils sont en train de. Ouais, non, ça va pas du tout là. Ça va pas du tout les routes là. Il faut back absolument se rendre compte qu'il y a un gros compte d'armée et commencer à faire péter les infestors et les gling là. Par contre, je sais pas si t'as remarqué, il y a aucune forge. Ah, si, il y a une forge, mais il y a aucune grade alors que chez le Zerg, il va bientôt être 2-2 là. Ouais, ça c'est un très bon point. Ça la différence dans le game. Mais là, le joueur Zerg est à 1500, il faudrait faire péter 5-6 Overlord et claquer les Zerglings là, c'est parti hein, c'est... La B4 va arriver. La B4 qui va être posée hein. La B4 qui est posée en effet. Ouais, faut qu'il prenne un peu le Zerg, parce que là il est passé. Voilà, puis il continue de sortir en plus avec ses roaches qui s'est complètement scouté par les Phoenix. Là ça va pas du tout, le joueur Pontos sait que là il est bien, il a juste à sortir et... Et c'est la fissure anale quoi, donc faut... Ah, la Spire qui va se transformer en grande aiguille. Si le proto sort maintenant là, il peut gagner je pense. Ouais, largement. Après si... Avec les Broodlords ça va être dur après par contre. 18 roaches en prépa, donc ça c'est bien. Par contre en contrepartie il y a 2 Zimons en face qui pop, donc ça c'est moins bien pour le Zerg. Les Zimons, ça fait la diff aussi. Les roaches de 2 sinon ça va faire mal quand même. Ouais, Roach 2-2. Va-t-il lancer le 3-3? Il pourrait. Oh, les infestors qui sont. Oh là là. Oh, les infestors chopés par les Phoenix. Ça, c'est une très bonne opération de la part du joueur Protoss. Mais il en a chopé qu'un. Si j'ai bien vu. Ouais, un seul. C'est toujours jouable. Bon, les Roach, ils perdent pas vite. Roach. T'as cette saloperie de Roach, ça a 3 d'armure avec. Attention, Fungal! Le Fungal! Oh, le Fungal! Allez, faut balancer le terrain infesté, faut refungal là. Faut refungal tout de suite. Allez, y'a plus d'énergie. Un phénix. Un seul phénix qui est tombé. Ah non, deux. C'est pas mal. Ça me rappelle le truc de Stefano de bind le truc pour Des trucs sur la molette. Avec la souris là. Oh, il spammait comme un porc. Allez, les corrupteurs sont lancés. L'homme crête, un d'attaque. Les corrupteurs qui sont lancés. Corrupteur, ok. Corrupteur, mais y a pas encore de colosse, c'est surtout pour gérer ces phoenix, enfin. Mais là, y'a beaucoup trop, il faut back tout de suite. Hein. Back, faut qu'il back là. Ils sont où les infestors? Faut qu'ils dépêchent de sortir les broodlords là. S'ils sortent pas les broodlords vite fait. Mais les infestors qui sont à la base en plus. Hein. Aïe aïe. Ça va pas là. Il a vraiment l'avantage économique là, notre ami Etienne. 4500 de minerai, 1000 de gaz. Oh là là, c'est pas... Là, il faut injecter à mort, il faut prod des overlords, il faut. Faut les premiers broodlords qui arrivent. Allez, faut faire des broodlords là. Ah, mais supply block. Oh là 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 là. Mais là, faut balancer. Voilà, 5-6 over et après, t'es largement tranquille. Oh, je vois. Tu vois ce que je vois là? Balise de la flotte. Ouais. Justice has arrived. Oh là, voilà. Mais s'il a des corrupteurs, ça devrait aller. Les spinecrawlers en défense, mais voilà, là, 4 spinecrawlers, il est mignon, mais voilà, c'est autre chose qu'il faut là contre une armée comme ça. Voilà, faut qu'ils se dépêchent là, les broodlords qui vont sortir juste avant que les arrivent, ça va être infestors qui sont sur la base. Ah, mais ils seront hors de position les broodlords là, c'est super dangereux pour le joueur d'air, il a juste à avancer, ça va être. Si les scouts, c'est fini. Aïe aïe aïe, non, oh la vache. Ah, c'est à mon avis, ça va avoir de gros problèmes pour le joueur d'air. Des infestors qui sont restés derrière, oh la vache. Oh là 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 là. Ça fait du c'est triste à voir. Quoique les routes sont en aussi un peu hein. Moi j'avoue. Ah non c'était. Attends, y'a encore moyen de contrer au niveau des upgrades, c'est quand même du 2-2 contre du 1-0. Hein. Ah le limo c'est très bien. Sortir oh limo, voilà, bien joué. Mais il va repousser. C'est plutôt pas mal hein. Il va repousser. Qui court après les... Et là vous voyez vraiment que les upgrades ça fait complètement la diff. Ah ça c'est... Allez, oh le Fungal. Oh magnifique Fungal, attendant que les roaches sortent. Et les roaches qui vont repousser, allez. Ça c'est très bien joué de la part du joueur Zerg. La force pure du Zerg, ça. Ça c'est magnifique ce qu'a fait le joueur Etienne. Il y a plus qu'à rechercher le 3-3 là. Ce serait nickel, en plus il a la thune pour le faire. Ouais, là il prend des gaz, c'est fou, c'est nickel. Et là il y a eu le bâton, il y a le retour du bâton qui va passer là, la part du joueur Zerg je pense. Attention les colosses sortent, les premiers colosses sortent. Mais y'a pas la thermolance, c'est vraiment jouable. Oh là là, non mais là les... Oh là, le 1-0 pour le 2-2.
Allez, peur qu'il parte, il faut rentrer il va partir, là. Il faut. Non, il a peur des colosses. Un colosse en même temps, ça fait vraiment flipper. Ah, le colosse. Allez, chope-moi ce. Ah, y'a le blink maintenant sur les stalkers, donc à souligner. Et là, maintenant qu'il est tranquille et qu'il a les ressources, déjà il devrait prendre un petit peu plus son gaz. Là, il manque un worker, mais bon, c'est un détail. Mais surtout, il devrait faire des Broodlords maintenant qu'il est tranquille chez lui. Ouais, bah oui. C'est le moment de les faire là. Ouais, je sais pas ce qu'il fait là. Ouais, mais il est trop de pop. Qu'est-ce qu'il fait? Il balance de la pop un petit peu. Faut sacrifier le roach là. Oh là là, j'ai peur pour ce tas de roach là. Il a la vision? Il a la vision, je ne sais pas comment. Mais il a la vision. Il descend donc le colosse en mode gratuit. Et ça a commencé à gratter un petit peu, voilà, ça passe à l'attaque, deuxième colosse qui arrive. Oh, attention. Ouais, il libère de la pop. Il perd beaucoup là. Ouais, mais il libère de la pop, je pense, enfin de faire des Broodlords. Ouais, mais le problème, c'est que s'il libère de la pop et qu'il se fait rouler dessus, c'est un peu dommage quoi. Mais. On va voir. Oh là là, non, à mon avis, il s'en pâle plus qu'autre chose. Oh là là, c'est. Ah là là, mais là, il va perdre tout un Broodlord, mais bon. Il a plus de gaz. Voilà, et là, regarde. Et là, les élotes qui vont. Ouais, mais y'a des spines, ça devrait être à peu près safe. Sauf que les brûlantes. Oh, les brûlantes qui vont. Ouais, c'est bon. La queen, attention, qui tombe pas. Aïe. Oh. Allez, les brûlantes. C'est voilà. Bon, c'est tenu. Par contre, attention là, au milieu de la map. Mais là, aux ça va arriver, élotes, mais là. Et à droite en plus, double, triple front. Y'a pas de roach, y'a rien, y'a quelques infestors. Oh là, ça va être dur. Hein. Faut repop masse Zergling là, c'est. Faut faire quelque chose, il a masse de minerais. Enfin, des roach. Oh là là. Il a pas d'injection, il a pas de larmes. Là, c'était un peu de larmes. Magnifique triple front, hein. Et on a dans la B3, on en a dans la B2, et l'armée principale qui va raser la B4. C'est propre. Oh la vache. Dur pour le joueur Zerg. Oh la vache. Pourquoi il recule? Non, il décide pas de. Il a décidé de pas péter la B4. Je pense qu'il va dans les colosses. Les colosses. Ah, fallait tuer les colosses là-dessus là, ça peut pas passer ça. Oh les boulons, c'est parti, la bataille finie. Les infestors qui me font le taf, allez c'est parti. Ah, mais avec le blick des stalkers, si gère bien, voilà, et ça c'est la game ça, malheureusement. Oh là là là. Peut-être les repop en dernier peut-être. Aïe. Oh là là. Non, à mon avis ça va être compliqué. Il peut repousser ce punch. Il gère bien, il continue de fun gueule et une bonne repop de vie. Ah, mais regarde en fait le temps. Ouais, voilà, après, voilà. C'est le temps en haut là, voilà. Pourquoi il a tout cancel? Ah, ouais, non, j'ai rien dit, il est tout fun vie. Ah, c'est dommage, toi, il y avait largement. Il aurait dû faire du roach. Il avait la pop. Enfin, il avait la. Zergling son. Voilà. Il avait l'économie. Ah, c'est pas fini, j'ai encore de faire un repop massif là. Un repop massif, il faut des bonnes injections, il faut que ça tasse. Ah, le GG tombe. Et donc, victoire du joueur Protoss Chuck sur ce BO3, 2-0. Ouais. C'était serré, hein, c'était très serré pour ce deuxième match. C'était une belle game là. Une game tendue jusqu'au bout. Et bien, dans ce cas, Blake, mon petit Blake, merci de m'avoir accompagné dans ce cast, c'était un vrai plaisir. Ah, mais merci à toi, hein, c'était deux très belles games. Deux très belles games, donc. A bientôt pour d'autres games sur d'autres jeux. Je pense que je vais balancer un peu de Dota 2 prochainement. Et voilà, toujours un peu de SC2 aussi, puis d'autres jeux, d'autres petites surprises. Bisous. Salut.